Salut à toutes et à tous, c'est Arthur. J'espère que vous allez bien. Véritable plaisir de vous accueillir dans notre nouveau fief en Allemagne, à Francfort, avec comme objectif remporter la Ligue des Champions. En tout cas, c'est pour cela que l'on signe eh bien, à Line Track Francfort. C'est pour remporter la Coupe aux grandes oreilles. On va avoir fort à faire. Nous quittons Valmira. Je sais que ça a été un véritable déchirement. Bah, autant pour vous que, que pour moi. Mais euh, y rester. Euh, ça aurait été faire l'année supplémentaire, l'année peut-être de trop. Il aurait fallu beaucoup plus d'années pour construire autre chose. Et là, on est sur la série 0-0 et euh, on doit remporter la Ligue des Champions le plus rapidement possible. En tout cas, se donner les moyens de la gagner le, le plus rapidement possible. Et la marche offerte, euh, donnée, j'ai envie de dire, par, par l'Eintracht est, est magnifique. Un club sublime, vous l'avez vu, les supporters complètement dingues. Une ambiance de folie, une des plus folles d'Allemagne. Elle va nous, nous suivre. Pour aller chercher bah, les, grands, les grands exploits. ce que l'on va aller euh, bah, forcément euh, titiller. Hein, les plus grandes équipes européennes pour emporter encore une fois la coupe. Aux grandes oreilles, ce sera l'objectif. Nous y voilà. Les infos donc de dernière minute avec eh bien, euh, Ray recruté par l'Eintracht Frankfurt. C'est parti En quittant Valmira pour rejoindre l'Eintracht Frankfurt. Arthuré a pris une décision qui ne manquera pas de faire débat. Et je le sais que ça fait débat. Mais, euh, mais pour venir juste au départ... Quoi qu'il arrive, je l'avais dit, euh, après le dernier match du Celtic, qu'on se qualifie ou pas, je comptais partir parce que euh, de 1, on a vécu une année incroyable. En plus, elle se finit en apothéose C'est magnifique de terminer comme ça. Euh, on termine dernier du groupe d'Europa League. Mais c'est pas ça moi que je retiens. Ce que je retiens, c'est que jusqu'au bout, cette équipe, elle nous aura fait vivre des moments de folie, crier, rêver, espérer. Et parfois aussi euh, bah, l'accomplissement avec quand même euh, deux championnats, une coupe de Lettonie. Et surtout, on a fait grandir le club. On aura toujours un œil euh, forcément. Sur, sur ce club-là, on aura euh, bah voilà, un, re un regard bienveillant paternel dessus. Maintenant, l'objectif euh, bah, qu'on aura dans ce club, c'est de construire quelque chose sur 2, 3, 4 saisons, une véritable équipe. Pareil, on va aller chercher des pépites, des nouveaux joueurs qui vont nous, nous amener cette Grinta, la pâte qu'on a réussi à rajouter à Valmira On va la mettre eh bien, la même dans Line track pour eh bien, trouver des jeunes joueurs qui vont nous accompagner. Peut-être pas au début des tip-top, mais qui viendront les meilleurs du monde et qui seront sous nos couleurs, qui seront portés par c'est il par ces euh, fans mais monstrueux hein. je vous montrerai d'autres ambiances de finfo j'ai été mais sidéré quand je suis allé voir des vidéos c'est euh, ils en font trembler le stade quand ils sautent tous dans le stade c'est fou vous voyez les tribunes qui enfin euh, ça fait un tremblement de terre c'est dingue c'est dingue et euh, bah, cette magie là j'avais jamais découvert l'Allemagne et euh, bah, je suis sûr je suis sûr qu'on va passer d'excellents moments là-bas donc revenons sur cette euh, sur cette information en termes de stats on a enregistré 84 victoires 18 13 défaites au cours de, de notre carrière. On est vraiment hein, avec des stats incroyables. Il a également remporté deux titres en championnat et une en coupe. Son premier match à la tête d'équipe sera à Wauslour. Bah, en Bundes le 23-12 2023, suite à sa promotion à ce poste, euh, nous serons sous pression immédiatement et donc va vite obtenir les résultats attendus hein, pour gagner la confiance de tous ceux qui estiment que sa nomination est pour le moins contestable. On peut les comprendre. On arrive un petit peu par la petite porte. Andreas Herzog était considéré comme favori pour le poste. Mais il est possible que les dirigeants du club aient décidé dès le départ en notre faveur. Et et oui, 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 ils ont décelé la pépite, bien sûr, avec ses adjoints. On arrive tous ensemble et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Les dirigeants de Valmira vont maintenant se mettre en quête d'un nouvel entraîneur. On aura un œil, hein, bien sûr, à viser. Euh, on a tenté euh, le petit bête à deux reprises. Euh, Ray préfère utiliser une formation 4-4-2 on s'adaptera on, on va découvrir un peu l'effectif euh, on a remporté l'Optibet avec Mia en novembre il y a désormais l'occasion de confirmer sa réputation en réussissant dans son nouveau club le club de l'Eintracht Frankfurt classé quinzième 15 fait pour l'instant une saison décevante en Bundesliga Frankfurt a concédé 3 matchs nuls lors de ses 5 dernières rencontres de championnat niveau de réputation euh, continental magnifique maillot magnifique logo aussi 51 500 places construites en 1920, 1925 là, le stade n'est pas trop vieux centre de formation ultramordane. truc de formation formation ultra d'un bon recrutement des jeunes budget transfert 47 millions d'euros budget salarial 4 5 millions 5 le club qui a déjà une Bundesliga qui a une Eurocup 1980 une euh, bah, bah même des cinq coupes de d'Allemagne une coupe de Bundesliga 2 et une coupe euh, de, de, de petite euh, régionale hein. voilà donc on est on est parti là là il va y avoir de, de la pression hein. il va y avoir de la pression puisque on n'est pas à l'abri hein, d'une mauvaise euh, bah d'un mauvais départ, de deux choses, alors ça va. Pour l'instant, euh, compétitif, milieu tableau, demi-finale minimum pour l'objectif. Travailler dans l'optique de se qualifier en Ligue des Champions l'année prochaine. Rester dans les mi du budget. Dépenser le budget. Hein. Ils veulent qu'on qu envoie les thunes. Dépenser autant que possible le budget de transfert. T'inquiète pas. On va y arriver. Organiser une conférence de presse, bien sûr. Oui. Mais réunion du staff. Tous les mois. C'est parti. Nous sommes donc dans notre nouveau club. Eintracht-Francfort. C'est parti. Et on va jouer dans 5 jours. Alors ce sera pas aujourd'hui. Hein, on fera le premier match demain. 18h, ne ratez surtout pas ce moment-là avec une ambiance qui va être complètement folle, vous allez voir, ça va être fou, euh, ça va être dingue, hein. le calendrier euh, actuel avec euh, quand même une calife, une calife euh, premier du groupe face à l'OL, Atlético et Ferenc Varos. Il termine premier du groupe avec une victoire 2-1 face à l'Atletico, quand même, euh, et un 0-0 contre l'OL. Ils sont faits nul contre l'Atletico, nul contre l'OL. Donc on voit quand même une belle équipe. Équipe euh, où qui va jouer, qui, 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 qui jouera en premier tour face. Euh, on ne sait pas encore, il n'y a pas le tirage. Le tirage, ce sera le, le 18-12. Bah écoute, c'est aujourd'hui le tirage Oh mais dingue. On, on signe pour le tirage Non mais c'est euh, dingue C'est incroyable, c'est incroyable. Les contrats de Farfoot dans leur dernière année. Donc ça, on fera une étude de cas. On va, on va faire le tour. Tant de jeu attendus pour la saison prochaine. Ouh là là, là. Pérez parvient, Loon. Ok, aperçu de la nouvelle promotion. Bonne promotion une bonne promotion, ça ça fait plaisir. Avec des gardiens, des milieux action, on aura un oeil aussi. Alors, objectif pour la saison, atteindre la phase de poule. Euh, Ligue des champions, de euh, bah, toute façon on a déjà atteint milieu de tableau, première moitié. On va mettre euh, bien sûr milieu de tableau uniquement, atteindre la demi-finale. On va confirmer. Approche tactique requise pour l'instant. Euh, au niveau de la tactique, euh, je, vais, je vais créer une tactique de base, mais je ne suis pas... Enfin, pour l'instant, je n'ai pas choisi, on n'a pas vu encore euh, les joueurs. Beaucoup de joueurs, beaucoup de joueurs ici. On va trier déjà par niveau, voir un petit peu qui sont les meilleurs. Jean-Peter Hodge, le Norvégien. Euh, 27 sélections et gauche. Appel de balle, plutôt pas mal. Hein. Aime les gros matchs réguliers. On va devoir se, se familiariser hein, avec cet effectif assez rapidement. Euh, on arrive un petit peu comme un, un cheveu sur la soupe, comme on était arrivé à Valmira au tout début, avec euh, un joueur qui a du mal. Qui a du mal. 7-0-8 pourtant, mais ça se passe bien. Je sais que voilà, en Allemagne, on va prôner de toute façon un jeu très offensif. C'est Ezekiel Barco, 24 ans. Euh, lui aussi, mi-offensif, peut jouer 9,5. Peut-être la pépite argentine que l'on cherche, qui peut jouer aussi ailier. Euh, endurance 17, volume de jeu 16. Il rechignera pas à faire. Attention quand même à euh, l'historique des blessures. On va aller checker ça de suite. Euh, pour l'instant, pas d'énormes, mais bon, ça pourrait tomber. On arrive. Djibril So. Djibril So. Alors. Incroyable, hein, c'est pas le même saut qu'il que, que y avait euh, à Valmira, mais euh, magnifique joueur forcément, Djibrilso, euh, très très gros joueur, sélection internationale, gros physique, hein, 17-17-16, bonne endurance, dribble, euh, très très bon milieu de terrain, très très bien, Djibrilso, Maximalian, meilleur, un petit allemand de 28 ans, quelques sélections, aime les gros matchs, ouais, ça c'est pas mal, est-ce que ce serait pas formé à Schalke Arrivé pour 23 millions d'euros. Evan Endika, bien sûr, euh, blessé. Pour l'instant, blessé entre 6 semaines et 3 mois. ou là 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 là. Tendance à se blesser. Fracture du tibia. Le coup dur. Le coup dur pour euh, Evan Endika, formé à la J. Euh, Auxerre avec euh, ses 5 euh, matchs. Daishi Kamada, japonais. Japonais, 16 sélection 4. Bon joueur. Bon joueur. 27 ans. Encore une fois, c'est pas des jeunes joueurs hein, que, que l'on a ici. Kevin Trapp. Kevin Trapp, 33 ans. Gardien, bien sûr, de euh, Francfort. Lucas il forme un Kaiser Soten passé par l'Airtrack, passé par Paris, reprêté, puis finalement retransféré. Il n'avait pas été, euh, on va dire, euh, nah, il n'avait pas été concluant à, à Paris. Lucas à Alario. Lucas à Alario. 17-17. 16 ans en d'endurance, un véritable euh, chien de l'attaque avec... Euh, il aime les matchs importants, attention. Euh, peut-être devrait suivre des séances d'entraînement individuel de rééducation. La vivacité n'est pas ça. Vivacité, c'est vrai que vitesse 9 à 31 ans. Un petit peu plus dur, peut-être une blessure qui l'a empêché. Bernard euh, euh, Tech PT, euh, 17-17-16. Ouh, un véritable dynamiteur hein, sur le côté droit. C'est bien, ça aime les gros matchs. On ne sait pas si c'est régulier. Gané Ok, acheter 7 millions. C'est pas mal, c'est pas mal. Robert Hendrich. Ouais, âge 29 ans. Pas jeune hein, l'effectif. Hein, on commence à voir pas jeune. Milieu très sérieux. Euh, Santos Boré. 28 ans encore. Là, très bon attaquant avec une agressivité à 18. On va faire très très mal là-dessus. Hein. Ali Akman. Le turc. Le jeune turc. Ali Akman. Qu'est-ce qu'il fait là Qu'est-ce qu'il fait là, dis donc euh, ouais, Ali Akman. sport Et maintenant, il est ici. Alors, il n'a pas l'air de s'y plaire. Mais Ali Akman, connu, hein, bien sûr. Steven Zuber. Là aussi, suisse. Zuber 56 sélections, Simone Bastoni, Italien, 27 ans, très complet, enfin euh, défenseur gauche, pardon. L'indström, Lindström, mi-offensif encore. Ouais, il va y avoir du ménage à faire. Ce qui est bien, c'est qu'on va arriver pile dans la période Mercato. Hein. Tuta, donc il s'attend lui à jouer. 24 ans, il s'attend à jouer. M grand gros match, régulier. Ouais, plutôt s'attend à jouer. Euh, ouais, 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 moi, 1m85, ça va jouer à droite, ça. Mais est-ce que c'est vraiment très très bon Je suis pas vraiment sûr. Est-ce qu'on a des petits jeunes, des pépites On va en potentiel, on va trier. On a Aliakman, c'est tout. Après, il n'y a pas un effectif. Vous voyez, c'est que des vieux. Hein que des vieux. On va aller voir un petit peu dans l'équipe. Euh, bah, dans l'équipe U19, voir s'il n'y a pas des, des jeunes pépitas aussi. Il n'y bah, a, a pas de 5 étoiles. Il hein. y a Patrick Benz. Patrick Benz, euh, jeune Suisse là encore. Avec un 16 en détermination sans ambition, c'est terrible pour un jeune. Et Fabio Blanco, milieu offensif droit, 19 ans, 18 en agilité, 19 équilibré, ouais. Aïe, 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 ouais, pas beaucoup de déter, c'est dommage. Et Hassan Diou, ouais, 17 ans, 8, ouais, c'est pas est pas fou, on hein, n'est pas régulier. Il va falloir mettre un coup de pied dans la fourmilière, bien sûr, je vais travailler là-dessus, hein. Je vais travailler là-dessus, vous pouvez être sûr que je vais travailler... Euh que je vais travailler sur, sur l'équipe, sur le staff, euh, sur tout ce qui est possible. On n'a pas d'équipe B là Il n'y a pas une équipe réserve euh, C'est quand même assez fou ça. Parce que là, j'ai vois les U19. Il n'y a pas d'équipe réserve Ça me paraît bizarre cette histoire. Ça me paraît bizarre. Pourquoi il n'y aurait pas d'équipe réserve Non, mais je crois que c'est. Là-bas, c'est un système bizarre. C'est une équipe 2, donc euh, elle, est quand même, elle est quand même mise là. Prêt. On a un joueur qui est prêté là pourquoi on a prêté un joueur de 33 ans comme ça là, un défenseur central, bon 10 en accélération. C'est vrai que c'est pas non plus euh, pas non plus. On va aller voir un petit peu les... le staff. Oh là 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 là. Ouh là, là là. Ah oui non, mais là là on voit direct des choses qui nous sont aux yeux hein. Je vois 6 sur 9 préparateurs, je vois surtout très très bas. Je vois refonte, je vois refonte. Euh, Je vois au fond les recruteurs, on va bien sûr aller checker directement et on va aussi euh, refaire bien sûr les affectations. Hein. Centre médical. Oh Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont une fragilité physique élevée Hodge. Ah ouais, Jens Peter Hodge, c'est une fragilité physique élevée oh là là, Ça c'est pas cool. Hein. Ça c'est pas cool. Très élevé pour Hodge. Christopher Lenz. Ezekiel Barco. On a des joueurs en plus qui se blessent souvent. Pas forcément ce qu'on veut. On va faire quoi Il y a match face à. Et ensuite, on aura une petite coupure. Donc, vraiment, le petit match face à Augsbourg. Et après, c'est bon. Leipzig, Wolfsburg, Union, Berlin. De en fait. toute façon, le championnat à Bundes, là, on n'a pas vu, mais on, est... on a 16 points. On est à 9 points mi-championnat. Puisqu'il y a que 34 matchs dans le championnat allemand. Bayern, Leipzig, Dortmund, Bayern. Ça sera les 4 monstres à abattre. Aller chercher un titre sera. Je ne vais pas dire impossible, mais très compliqué bien sûr. Euh, on essaiera en tout cas de, de faire des, des choses. Je, je vais devoir checker au niveau du recrutement. Bien sûr, on doit me proposer des joueurs un petit peu. Voilà. Hey, Gonzalo Ignacio, hein. ouais, très très bon défenseur central, 1m87, bonne détente verticale, mais ça c'est des prix qui, sont, euh, qui défient toute concurrence. Hein. Je pense que ça, ça... Ça, voilà, si on interroge sur euh, combien, c'est entre 47, ouais, 47 millions d'euros, quoi. C'est tout le budget transfert qui y passerait. Budget transfert, on est là. D'ailleurs, on est un petit peu en négatif. On va aller voir les finances directement. Un petit peu en négatif au niveau du. un ouais, petit peu en négatif ici. Il pourrait y avoir beaucoup de départs. Hein. Il pourrait y avoir beaucoup, beaucoup de départs, parce que euh, je vois qu'il y a des joueurs observés qui sont sur la liste. Des observés comme ça là, par euh, le Borussia qui sont observés là. Je, je me dis, tu vois, Liakman observé aussi par Valence. Des joueurs qui ont une grosse valeur marchande. Il faudra voir. Peut-être me dire ton avis aussi, bien sûr. Euh, vision du club, info club. Ok. Donc les infrastructures de très haut niveau, encadrement des jeunes un petit peu trop faible. Un petit peu trop faible. Un petit peu trop faible. faudrait que ce soit un petit peu mieux. C'est dommage euh, que la, la fournée de Régène soit déjà passée. Ok. Au niveau des finances, on verra. Centre d'apprentissage. Ouais, il y a Fabian Blanco qui s'en met vraiment le, le jeune. Ok, il va, falloir, il va falloir taffer sur tout ce staff, sur toutes ces choses. Eh bien, écoutez, je vais sauvegarder. Euh, non, je ne vais pas sauvegarder la partie. Parce que sinon, je vais écraser la partie avant. Hein, puisque, non, 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 non. Non, pas de boulettes. Il faut créer une nouvelle sauvegarde. Je vais faire ça tout de suite. Je vais travailler. Et on se retrouve demain 18h pour le premier match. Avec aussi une présentation de la refonte du staff. Parce que je vais, euh, je vais faire ça hors... Euh, Or caméra, ça va prendre beaucoup de temps. Je pense que j'en ai pour une heure, deux heures, voire trois heures pour réaffecter un petit peu tous les, tous les tenants, les aboutissants au niveau du staff, virer, trouver les meilleurs trucs, faire les affectations de tous les recruteurs. Il y en a huit. Bref, gérer tout ça, euh, voir les forces en présence, analyser les joueurs. On se retrouve demain, 18h, pour eh bien, le premier match face à à cette équipe à l'extérieur. C'est dommage, j'aurais bien aimé commencer à domicile. À l'extérieur, Augsbourg, ils devront attendre le 20 face à Wolfsbourg pour justement euh, nous accueillir les supporters. Euh, le 23-12 face à Augsbourg, ils sont 13e, donc match important. Match important face à une équipe, il va falloir trouver très très vite euh, une tactique. Bien sûr, on se retrouve demain 18h. Je suis très heureux d'être dans ce club, très heureux d'être en Allemagne. À nous d'écrire l'histoire, d'écrire pour ce que ce... ce, ce, ce J'ai envie de dire pour ces supporters. Plus fan que fan des Ultras. A demain 18h.